Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous profitez bien de vos vacances. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous donner tous mes conseils pour réussir un entretien en embauche. Parce que c'est bientôt la rentrée, je veux surtout pas vous déprimer, mais malheureusement, on va être nombreux et nombreuses à reprendre le chemin du travail, de l'école, peu importe. Et on va également être nombreux à passer un entretien en embauche. Voilà, c'est souvent au mois de septembre ou janvier, pourquoi pas, où il y a beaucoup de recrutement. Je dis que vous faire une vidéo sur tous mes conseils pour réussir un entretien d'embauche pouvait être tout le temps utile, que ce soit un entretien pour un travail, un CDD, un CDI, peu importe. Également pour un stage, parce que ça s'applique à tout type de travail. Donc, c'est parti. J'ai passé énormément d'entretiens en embauche dans ma vie, que ce soit pour des stages, des CDD, enfin bref, j'en ai franchement passé, je pense facilement, peut-être une dizaine, et c'est très rare que je n'ai pas été prise parce que j'appliquais toujours un tas de conseils que je vais vous donner dans cette vidéo d'ailleurs, et à chaque fois ça fonctionnait très bien. Et en plus d'avoir un beau CV, je pense que c'est très important de suivre quelques petites règles pour faire bonne impression, parce qu'en fait l'entretien d'embauche c'est vraiment le moment où le recruteur va vous rencontrer en vrai. Il va voir si votre profil match avec l'offre d'emploi, tout simplement. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant que je vous regroupe tous ces petits conseils dans cette vidéo. Le premier truc à faire, super important, c'est se renseigner sur l'entreprise. Quelle est la taille de l'entreprise? Quand est-ce qu'elle a été créée? Le nombre de salariés à l'intérieur, est-ce qu'il y a un storytelling sur cette entreprise, voilà. Je pense qu'il faut vraiment se renseigner au maximum sur l'entreprise pour savoir où on met les pieds, et c'est très fréquent que le recruteur vous pose des questions sur l'entreprise, et ça ferait un petit peu bête de pas savoir y répondre. Un autre conseil surtout, c'est soigner votre look, essayer d'avoir les cheveux propres, le visage dégagé, être bien habillé avec des vêtements qui correspondent au type d'entretien que vous allez passer. N'arrivez pas en claquettes chaussettes avec un short et une chemise hawaïenne. Essayez d'avoir l'air, voilà, classe, élégant, avec des couleurs simples. Moi je sais que pour mes entretiens d'embauche, je m'habille très souvent avec un jean ou un bas noir et une petite chemise blanche, voilà, des petites chaussures, et ça passe toujours très bien. Mais après, n'en faites pas trop non plus, venez pas non plus en robe de soirée ou quoi que ce soit. Mais voilà, il y a une tenue qui soit simple et qui passe un petit peu partout. Un autre conseil, c'est ayez un maquillage qui soit relativement simple et naturel. Donc ne sortez pas le rouge à lèvres rouge pétant, le blush, 3 tonnes d'highlighter, etc. C'est pas la peine. Juste un maquillage qui vous met en valeur. Moi je mets juste un petit peu de mascara, un peu de fond de teint, et c'est terminé, parce que le recruteur ne va pas vous juger sur ça, en fait. Il va vous juger sur ses compétences, sur vos compétences. Oui, c'est important d'être bien apprêté, etc., mais pas non plus en faire trop. Et aussi les ongles propres, pourquoi pas, avec une jolie manucure, mais propre, bien coupée, etc., parce que les mains, c'est très important. Moi c'est l'une des premières choses que je remarque chez une personne, et si elle a par exemple de la terre dans les ongles ou quoi que ce soit, ça fait pas forcément toujours très bonne impression. Quelque chose de primordial aussi, c'est arriver à l'heure, voire en avance. Personnellement, je suis une stressée du temps, enfin j'essaye d'arriver tout le temps en avance à tous mes rendez-vous, mais voilà, essayez d'arriver peut-être 5-10 minutes en avance, histoire de repérer les lieux, et enfin voilà, c'est super important. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui arrive en retard, ça fait tout de suite mauvaise impression et pas sérieux, et la personne peut se dire, ah bah si elle arrive déjà en retard au premier entretien d'embauche, ça va être quoi après au travail? Elle va pas du tout respecter mes horaires, c'est pas possible, on peut pas l'embaucher. Donc voilà, arriver à l'heure et surtout repérer les lieux sur Google Maps pour savoir où vous devez aller, où vous avez rendez-vous, et ne pas perdre de temps. Et vous, préparez vos motivations, donc réfléchissez aux questions pourquoi vous, pourquoi cette entreprise, pourquoi vous et pas un autre candidat, parce que ce sont des questions qui reviennent super souvent pendant les entretiens d'embauche. Vous pouvez être sûr qu'on va vous les poser, et ce serait dommage de ne pas savoir répondre à ces questions, parce que ce sont des questions qui prouvent que vous êtes motivé, qui prouvent que vous savez pourquoi vous êtes là, et c'est super important pour faire bonne impression.
Quelque chose de super important aussi, c'est bien connaître son CV. Vous n'allez pas l'avoir sous les yeux forcément. Donc, il faut que vous sachiez tout simplement mettre vos compétences et vos expériences en valeur. Moi, je sais que, bah, évidemment, mon CV, je le connais par cœur vu que c'est moi qui ai vécu les expériences. Donc, ça peut paraître logique. Mais parfois, je sais que je peux oublier de mettre en avant telle ou telle expérience parce que, en fait, bah, tout simplement, je n'ai pas relu mon CV la veille. Donc, voilà, relisez votre CV la veille, imprégnez-vous et remémorez bien tout ce que vous avez fait et c'est super important voilà de savoir se mettre en avant et de se vendre comme ça avec ses expériences. L'attitude pendant l'entretien d'embauche est super importante. Essayez de vous tenir droit, les épaules dégagées, un grand sourire, enfin pas trop de sourire non plus, essayez d'avoir l'air quand même un minimum sérieux, mais voilà, le menton légèrement relevé avec une poignée de main franche, voilà, quelqu'un de positif, de dynamique, surtout ne vous affalez pas sur la chaise, il n'y a rien de pire parce que ça fait vraiment quelqu'un qui n'en a rien à faire en fait et qui n'est pas très dynamique. Mais voilà, surtout ayez l'air sûr de vous et tout va bien se passer. Un conseil qui peut être pas mal, c'est préparer des questions en amont sur l'entreprise, en fait des questions que vous pourrez poser au recruteur à la fin pour montrer que vous êtes intéressé par l'offre d'emploi et que vous venez pas juste comme ça en touriste parce qu'il vous faut un job. Donc, essayez de trouver à l'avance des questions que vous pourrez poser à la fin parce que ça fait vraiment la personne qui est intéressée et qui veut le job. Évidemment, avant d'arriver à l'entretien, il faut connaître l'annonce pour laquelle vous avez postulé parce que souvent c'est indiqué exactement ce qu'ils recherchent. Voilà, c'est super important de bien connaître l'annonce du poste, comme ça vous pourrez mettre vos compétences, votre savoir-faire en parallèle avec ce qu'attend l'entreprise tout simplement et le recruteur va se dire ah bah tiens, elle ou il a vu l'annonce, il a compris que j'attendais ça, ça, ça et elle justement elle est comme ça, comme ça, comme ça et bah justement ça va matcher avec mon entreprise. Donc voilà, lisez l'annonce, vérifiez que tout ce que vous pouvez offrir à l'entreprise correspond à ce qu'ils veulent et bah ça devrait bien se passer. Et enfin un dernier critère, un dernier conseil en fait, c'est savoir se vendre. Donc évitez de dire des choses négatives sur vous qui vont vous faire passer pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Justement faites l'inverse, mettez-vous en valeur, n'hésitez pas à raconter vos expériences positives. Voilà, il faut que la personne, le recruteur sente que vous avez confiance en vous, c'est super important, que vous êtes pris en écoute, que vous êtes motivé et qu'il va pouvoir compter sur vous parce que vous allez être un pilier de la chaîne et que c'est super important qu'il recrute quelqu'un qui soit dans un bon état d'esprit. Voilà tout le monde, et ben j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous allez réussir tous vos entretiens d'embauche grâce à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !